Bienvenidos al 20º Mundial de la CEMAS de Underwater Hockey. Hoy presentando el partido entre la selección colombiana y la selección francesa. Voilà, ils se sont dit, bon allez, y a moyen, y a peut-être pas tous les éléments contre nous. Est-ce qu'il va le sauver? Vamos Felipe, vamos Cuisadí, vamos con la moral para sentenciar ese partido. Of July 2018, Quebec, Canada. France and Colombia fight for a spot in the semi-final at the Elite World Championships. Quickly led to the score, the French team continues to endure the Colombian offensives. France even concede a penalty which could give two goals ahead to Colombia in these quarterfinals. Raphaël Gainsbourger faces two players. The following belongs to history. Raphaël Gainsbourger goes back into the moment. À ce moment-là du match, on était quand même fortement dominé. Pas trop vu le jour en première mi-temps. C'est parce que vous n'avez pas envie collective, là, que ça marche pas. C'est tout au fond. Bordel, quand il y en a un qui est là-bas, il y en a trois qui sont à côté. On va pas se laisser marcher dessus, merde. D'accord. Allez. C'est un moment que j'aime bien, où il faut vraiment être bien dans sa bulle, bien se concentrer, tâcher de à la fois d'anticiper ce que va faire l'autre et puis pousser un petit peu à tirer où on veut. Ce qui est rigolo, c'est qu'au début de la compétition, les coachs avaient choisi Paulini pour arrêter le pénalty. Et quand on a eu le premier pénalty de la compète contre l'Angleterre, on sortait des... une grosse phase où on était dominé. Je crois que Polo devait avoir un petit peu de buée dans son masque et n'a pas souhaité arrêter le penalty. Moi, j'étais plutôt motivé pour y aller. On a vu avec les coachs sur le fait que si je me sentais, bah, j'irais arrêter les penalties, mais c'était pas comme ça que c'était fixé au départ. D'ailleurs, les coachs m'ont dit après l'Angleterre, ils m'ont dit waouh, quand t'as dû prendre la place de Polo, bah, t'as bien fait de l'arrêter, sinon on pourrait tirer les oreilles. Oui, ça a dit muy... muy peligrosa por parte de Colombia. Vamos a ver si papá ya la logra empacar de nuevo y creo que es gol de Colombia. Gol de Colombia. Mira. Cuisadí toma la pastilla, le hace la amague y vamos a ver si la puede sacar. ¡Eh, oui, c'est sorti! El droite. Se recupera au centre. Allez, on dirait. ¡Eh, oui, but! C'est tendu, allez. Muy buena. Trouver une solution là, faut le mettre. Faut le mettre, allez, on pousse. Est-ce que c'est une alchimie entre pour le défenseur réussir à faire mal tirer l'attaquant, réussir à le sortir? Est-ce que quand un pénalty est raté, c'est parce qu'il est bien arrêté ou mal tiré? Je pense que c'est un savant mélange des deux. Ça peut être donner un petit peu de confiance à toute l'équipe. Voilà, où ils se sont dit, bon allez, il y a moyen, il n'y a peut-être pas tous les éléments contre nous.